Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour votre horoscope du 24 mars. Balance. Des incertitudes aujourd'hui, peut-être un peu de stress. Essayez de ne pas trop y porter attention. Essayez vraiment, mes chers amis, de canaliser ces émotions, car le stress n'est pas bon pour vous. Il y a certainement quelque chose qu'aujourd'hui va un peu accaparer vos pensées. Il y a des incertitudes, hein. Il y a ce stress peut-être qui vous ronge, qui vous fait peur, mais ce n'est qu'un passage. Alors, essayez vraiment de lâcher prise sur la situation. Envisagez que c'est une journée qu'aujourd'hui elle est un peu coussi coussa, mais demain ça ira beaucoup mieux. Bélier. Restez fidèles à vos convictions, mes chers amis. Si vous avez un objectif en tête, ne changez pas de route. Mais aujourd'hui, vous pouvez compter sur des personnes qui vous sont fidèles, hein, des personnes qui peuvent vous aider à faire évoluer une situation. Alors, n'hésitez vraiment pas à demander le soutien des personnes à qui vous croyez et à qui vous savez pouvoir faire confiance. Mais surtout, croyez en vous et ne changez pas de route. Cancer. C'est une journée où on vous demande de prendre une décision. Certainement, vous avez des doutes, des incertitudes, et il est temps de se décider. Il est temps de choisir ce que vous voulez, comment vous y prendre. C'est pour votre mieux-être. Cette décision va vous permettre de bâtir quelque chose sous des fondations solides. Mais voilà, s'il y a des difficultés dans un domaine, il est temps de se décider. Faites toujours le choix du cœur, c'est celui-là qui vous amènera à la réussite. Excusez-moi, Capricorne. C'est une journée de souffrance aujourd'hui. Peut-être un lien avec les problèmes de santé. Vous vous sentez pas bien. Vous souffrez de quelque chose. Mais ça peut être tout simplement aussi un passé qui vous rattrape. Ça peut être une souffrance, un lien avec des personnes, des situations que vous avez du mal à gérer. C'est une journée où il va falloir garder l'espoir et la foi. Si aujourd'hui quelque chose vous rattriste, vous fait souffrir, dites-vous que demain ça ira mieux. Essayez de comprendre qu'est-ce que doit vous apporter cette souffrance. Il est vraiment important, mes chers amis, qu'aujourd'hui vous contrôlez ces émotions. Ce n'est pas une souffrance due à quelque chose d'un deuil, par exemple, non. C'est une souffrance qui est due à une situation, une relation que vous avez du mal à gérer. Alors ressaisissez-vous. Et gardez la foi. Gémeaux. Une journée de rencontres. Alors, c'est peut-être des rendez-vous que vous aviez prévus. Ces rencontres vont vous permettre certainement de régler certaines problématiques. Mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres amicales, un nouvel amour pour quelqu'un. Aujourd'hui, vous êtes amené à rencontrer du monde. Ou parce que vous l'avez demandé, en attente de recevoir quelque chose, un papier, des demandes, hein? Voire tout simplement des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Pour les amis lions, c'est une grande journée de bonheur pour vous. On accueille certainement un bébé pour quelqu'un, mais c'est surtout aussi des réponses positives à des demandes que vous avez faites. Aujourd'hui, il y a un grand éclaircissement et un grand bonheur. Quelque chose vient vers vous, que vous attendiez, et ça va vous réchauffer le cœur. C'est une très belle journée pour vous, alors profitez-en. Il y a des annonces vraiment très positives pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être l'embauche pour un travail, ça peut être des réponses que vous attendiez, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale. Et en tout cas, il y a un grand bonheur pour vous aujourd'hui, alors profitez-en. Il y a quelque chose de nouveau qui prend vie aujourd'hui. Pour les amis poissons, on me parle d'alliance et de contrat. Il y a peut-être un engagement aujourd'hui pour vous, un nouveau travail. Un engagement dans une union, un PACS, ça peut être tout simplement aussi régler des problématiques de papier en fait, hein. Si vous êtes à l'attente de régler certains papiers, de recevoir des papiers, aujourd'hui c'est le jour qui va vous sourire, vous obtiendrez ce que vous attendez. Mais c'est surtout aussi pour quelqu'un d'entre vous un projet qui se réalise. Ça peut être un partenariat, une association, mais ça peut être aussi tout simplement une rencontre que vous officialisez, une rencontre que vous avez faite récemment, il n'y a pas longtemps, que vous officialisez au lien de la famille avec les amis.
Donc aujourd'hui, vraiment, il y a cet espoir de voir s'officialiser quelque chose publiquement. Et si vous attendiez des papiers, des engagements, c'est le jour où vous pourriez l'obtenir. Pour les amis Sagittaires, il y a un nouveau départ pour vous, pour certains d'entre vous. Hein. Ce nouveau départ peut toucher tous les domaines de votre vie. Pour quelqu'un, on peut parler peut-être tout simplement d'un projet avec les enfants, d'un projet peut-être avec vos enfants ou les enfants des autres. Mais c'est une journée où il y a vraiment l'influence enfantine. Pour un projet qui vous tient à cœur, vous travaillez peut-être déjà avec les enfants et c'est vraiment quelque chose de très stable, on me dit. Hein, mais il y a aussi un nouveau départ pour quelqu'un d'entre vous. Le scorpion, on me parle d'indépendance, d'un commerce, si vous êtes commercial ou que vous avez un commerce qui vous amène vraiment l'abondance. On me parle aussi d'indépendance, une indépendance qui vous réussit, une indépendance qui vous amène en tout cas à vous réaliser pleinement. Ayez toujours cette confiance car il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous en cette journée. Un lien avec ou un travail commercial. Ou si vous avez un commerce, voire pour un objectif, un projet que vous avez. Donc, c'est une journée très positive pour les amis scorpions. Pour les amis taureaux, saisissez votre chance aujourd'hui, dans tous les domaines. Il y a la providence divine qui vous tend la main, donc saisissez cette main. S'il y a des problématiques, c'est le jour pour les résoudre. Si vous attendez quelque chose, c'est le jour de demander, vous recevrez. Aujourd'hui, il y a vraiment la chance qui est de votre côté, alors ne la laissez pas s'en aller. Pour les amis Verseau, vous êtes protégés, vous êtes illuminés, vous êtes bénis aujourd'hui. Il y a un rêve qui se réalise. Si vous attendez un travail aujourd'hui, on peut me parler de rencontres pour un job et éventuellement aussi signer tout de suite un engagement, un contrat. C'est une journée où il y a vraiment la providence divine pour vous aussi. C'est des rêves pour vos amis taureaux. Et ben, vous voyez, mes chers amis Verseau, aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment. Et vous avez votre bonne étoile sous la tête. Donc, c'est vraiment cette journée pour réaliser quelque chose. De toute manière, il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous, inespérées. Et c'est une journée qui va vous sourire. Alors, accueillez tout ce qui vous arrive aujourd'hui de beau. Pour les amis vierges, il y a des petits soucis. Pour quelqu'un d'entre vous, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a de l'inquiétude. Mes chers amis, essayez de mettre de côté ces émotions qui fragilisent en tout cas votre mental et après vous gardent enfermés dans ces peurs, dans ces incertitudes qui vous empêchent d'avancer. Si vous vivez une problématique, essayez vraiment de l'affronter avec un esprit clair, ce qui vous permettra déjà premièrement de ne pas vous ronger l'estomac, ce qui apporte aussi des problématiques de santé. Essayez vraiment d'apaiser votre mental et d'apaiser votre stress. Quoi que ce soit qu'aujourd'hui vous stresse, essayez vraiment d'être un peu plus ferme et de ne pas vous laisser emprisonner par ces émotions que sont quand même toxiques. Demain, ça sera un autre jour et ça ira beaucoup mieux. Voilà mes chers amis pour votre petit horoscope du jour. À demain.